Les professionnels des médias du département de l'Atlantique ont reçu une délégation de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Une séance de vulgarisation des décisions numéro 19-006-007-HAC du 24 janvier 2019 portant réglementation des activités des médias pendant la période de pré-campagne pour les législatives du 28 avril 2019. C'était ce lundi 11 février dans les locaux de la radio Immaculée Conception d'Alada. Nous sommes venus procéder à la vulgarisation de la décision que nous avons prise au lendemain de la convocation du corps électoral. Il s'agit de la décision de la pré-campagne, la décision qui réglemente la période de pré-campagne. C'est une décision qui a son ancrage juridique désormais dans le code de l'information et dans la charte des partis politiques. Donc, il y a une période que nous prenons en compte, au moins 3 mois, juste à la convocation du corps électoral, pour encadrer un peu le terrain avec nos partenaires privilégiés que vous êtes, avant la période de la campagne proprement dite. C'est un rappel que nous sommes venus faire. On a fait avec des professionnels des médias qui ne sont pas à leur premier exercice d'élection. Ils ont l'habitude de le faire et chaque fois, c'est une obligation pour l'institution de se rapprocher de ses partenaires à l'effet de leur rappeler les conditions requises dans lesquelles ils doivent travailler au cours de cette période. Pour les journalistes présents à cette séance, cette initiative de la HAC vient dissiper leurs inquiétudes et les oriente désormais afin que leurs prestations ne tordent pas le cou au code électoral et à celui de la déontologie et de l'éthique dans les médias. On a eu l'essentiel et on est satisfait. Je pense qu'on est plus aguerri maintenant à relever le défi. Et puisque je le dis toujours, le micro est une bombe. Et nous pensons désormais revoir les choses autrement pour ne pas mettre en péril la paix sociale. Comme tout l'ensemble d'ailleurs, nos impressions sont meilleures, sont bonnes. On est fiers, on est satisfaits, on est fiers de notre organe de tutelle qu'est la HAC. Qui ne cesse quand même de nous ménager, ne serait-ce que nous tirer d'affaire, nous éviter les problèmes, surtout à l'approche des périodes électorales. Pour nous, cette séance vient à point nommé parce que ça vient nous rappeler notre responsabilité en tant que professionnels des médias. Et ça vient aussi recadrer nos activités, tout ce que nous faisons depuis quelques mois, quelques semaines, avec les partis politiques. Nous ne sommes pas en campagne, mais véritablement, les choses bougent au niveau des états-majors, des partis politiques, surtout des blocs. Et donc, la HAC est venue nous voir pour nous rappeler ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire. Suffisamment outillés, les participants à cette séance se disent satisfaits et prêts à jouer leur partition pour le bon déroulement des élections législatives 2019.